Thank you for being with us today for Captain America. Thanks for having us. Well, my first question will go to you, of course, Anthony and Joe Russo. I mean, obviously, Captain America the Winter Soldier is very much a sequel to Captain America, First Avengers, and to Avengers. How exciting was it to embrace both the Marvel Cinematic Universe and the Captain America, the heroic mythology? And how did you make him your own? Comment ont-ils, se sont-ils appropriés l'univers Marvel, bien sûr, et aussi la mythologie de Captain America? It's interesting. It's been an interesting journey for us. I mean, I started collecting comic books when I was 10 years old. I have a very large collection still in my closet, thousands of books. So we're fanboys. I loved Captain America as a kid, but there were components of the character that I thought were a little superficial and somewhat jingoistic. Ed Brubaker wrote this great run in 2005 about the Winter Soldier. It was deconstructionist and postmodern and interesting take on Captain America. It was thematically, it turned the mythology on its head. We really embraced that. When I started collecting, Frank Miller was a very important writer, and he was a big influence on us. Voilà, et bien pour nous, ça a été évidemment un voyage passionnant parce que depuis l'âge de 10 ans, je collectionne les comics justement et j'ai toujours dans mon placard des milliers de comics. Donc nous sommes vraiment des fans absolus. Et c'est vrai qu'enfant, moi j'adorais par exemple Captain America, mais je lui trouvais des aspects un peu superficiels, un peu égoïstes en quelque sorte. Et lorsque j'ai lu la version, en L. Brubaker en 2005, évidemment du soldat de l'hiver, et bien souvent je me suis dit, tiens, c'est une façon de déconstruire le personnage, de faire du postmoderniste en quelque sorte avec Captain America. Donc c'est un angle qui m'intéressait particulièrement, puisqu'il renversait finalement le mythe et la mythologie. Et puis bien sûr, Frank Miller a été une grande influence également. What about you, Anthony? Yeah, well, the great thing about this movie for us is it combines two great passions for us. One is comic books. But the other one was Marvel told us they wanted to set Captain America in a modern-day political thriller that was inspired by the great political thrillers of the 70s. And we grew up on those movies. We used to watch them on The Late Show with our dad, who's in the back of the room over there. Movies like Marathon Man, 3 Days of the Condor, these great thrillers of the 70s, helped us form our understanding of cinema and cinematic language. And so the fact that we got to combine both comic book passion and that genre was really special for us. Alors, c'est vrai que il y avait deux choses vraiment qui étaient aussi fascinantes. C'est que nous pouvions, grâce à ce film, finalement, combiner deux passions. Celle que nous avions, évidemment, pour les comics, mais aussi celle que nous avions pour les thrillers politiques des années 70, finalement, qui nous ont fait grandir. Je me souviens de regarder avec notre père, qui est d'ailleurs là-bas au fond de la salle de Late Show, et on regardait Marathon Man, ou bien les 3 jours du Condor. Et c'est vrai que pour nous, c'était vraiment un modèle, un genre que nous avons pu explorer grâce à Captain America. Donc vraiment, ce mix de Marvel, du Captain America, mais aussi des thrillers politiques des années 70 sont deux influences dominantes dans ce film. Well, there's a question really for you three now. I mean, did their vision, in a way, change your take on the characters you know so well? I mean, the script also involved and was more challenging this time around. Yeah, personally, very much so. I mean, you always have to have a certain marriage with your director, not just in an intimate, personal level in terms of the interpretation of your performance, but just knowing visually what they're going for. You know, it's filmmaking is a very intangible process, so the more communication you can have with your director, the better the final product will be. But my first meeting with the Russos was so promising because we really had such similar aspirations as to where we wanted to take the character and how we wanted him to move, especially physically. And the first two Captain Americas, he was just becoming acclimated with his abilities, and we just wanted to try and show why he deserved a spot on the Avengers roster, and borrow some more dynamic fight styles from some other films that really nailed that kind of action combat genre.
Alors, c'est vrai que c'est très important lorsque l'on tourne un film qu'il y ait une relation très personnelle avec le ou les réalisateurs, presque un mariage, parce que visuellement, c'est vrai qu'un film, l'art de faire un film, eh bien, c'est très intangible. Donc plus il y a de communication, et plus effectivement c'est important pour des acteurs. Je me souviens lors de ma première rencontre avec Anthony Angelo, eh bien, nous avions les mêmes aspirations finalement. Nous voulions effectivement pousser le héros plus loin, je dirais non seulement plus loin géographiquement, mais aussi physiquement. Dans les deux premiers, en quelque sorte, il s'habituait à ses capacités, à ses pouvoirs. Mais là, aujourd'hui, on veut montrer pourquoi il a un rôle aussi essentiel, évidemment, dans la mythologie des Avengers, et pourquoi il a cette position si importante. Et on lui a donc donné, physiquement parlant, eh bien, un style de combat bien plus moderne, bien plus adapté, une technique accrue, ce qui fait que pour moi, c'était très intéressant. What about you, Scarlett, the Black Widow? How much have you changed or not with the Vision? Hi. I didn't, you know, when I first spoke to Kevin Feige at Marvel about the Widow appearing in this movie, I didn't really know how she would fit in with the Cap story, because obviously in a kind of in his previous life or that kind of in his previous incarnation, it would have been totally, I mean, it seems to be just a kind of way to stuff me in. And of course, after I heard, you know, the Russo brothers take through Feige's words about, you know, this sort of flavor they wanted to infuse this film with, you know, that kind of 1970s political thriller. And, you know, of course, it was my character having a sort of past that would definitely favor towards a kind of espionage type of story. That made much more sense to me. I mean, obviously, these characters don't really fit in a romantic context, so, you know, it was kind of about trying to find a common ground between them. And I think you kind of do find an unexpected common ground, kind of similarities between them. Alors là, c'est vrai que lorsqu'au départ, j'avais rencontré Kevin Feige de Marvel, bien sûr qu'il dirigeait Studio Marvel, eh bien, je me demandais vraiment comment mon personnage allait finalement exister au sein de cette mythologie. Alors c'est vrai que dans les deux précédents, eh bien, j'étais un peu juste là, comme un personnage, mais on ne me voyait pas vraiment évoluer. Alors que ici, lorsque j'ai parlé avec effectivement les frères Russo, en quelque sorte, et leur vision du thriller politique des années 70, soudain, j'ai aimé le ton particulier, la vision particulière qu'ils voulaient donner à ce personnage. Et mon personnage, cette fois-ci, même si son passé reste un peu mystérieux, il y a cet angle d'espionnage qui m'intéressait beaucoup. Et puis, il n'y a pas de contexte romantique qui est possible ici. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve avec Captain America, eh bien finalement, il y a, de façon tout à fait inattendue, on découvre des similarités entre les deux personnages. Et c'est ça qui m'a intéressée. What about you, Nick Fury? I mean, did you change your take, or is it still the same Nick Fury? Well, the same Nick Fury, but interestingly enough, we don't see Nick Fury too often where he doesn't have the upper hand. So when he does feel duped, he has to reach out in another way and try and find the answers to the questions that he has in his mind and has about his organization. And it was great. You know, it's always great to kind of come back to the Marvel Universe, no matter what. You know, we all go off and do other things, and then we come back and put these costumes on. And it's kind of like we're the kids in the playground. We come back together and kind of go, so what have you been doing? What have you been doing? So what game are we going to play today? And we all get together and we start playing this new game. And the Russos brought a new game, which was very interesting and great for us to play. So it was great. Alors voilà, évidemment, je suis toujours Nick Fury, mais ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, on me voit davantage, en quelque sorte, dans l'action. Car lorsque je me sens trahi, eh bien, je dois agir de toute façon. Et donc, je dois trouver des réponses à des questions que je me pose, non seulement par rapport à moi-même, mais par rapport, évidemment, à mon organisation.
Et ce qui est génial avec finalement les films et les héros Marvel, c'est que bien sûr on fait tous entre des films Marvel d'autres choses. Donc quand on se retrouve, on discute, on échange des idées, on se dit alors qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Et puis surtout, on est prêt à jouer le jeu. Et le jeu que nous a proposé les frères Rousseau, il a été un jeu passionnant, donc on a eu beaucoup de plaisir à se retrouver tous ensemble. Question à vous. Ah, ici. Bonjour. C'est une question qui concerne, le personnage de Steve Rogers. Contrairement à Tony Stark ou à Thor, qui, on va dire, se la pète quand même beaucoup, Steve Rogers est quelqu'un de très simple, qui révèle tout ça un peu par hasard, qui a du mal à accepter ses pouvoirs dans le premier film. On cherche encore sa place dans le deuxième. Alors maintenant qu'on s'est attaché au troisième film, comment est-ce que vous pensez le faire évoluer? Et puis pour Chris aussi, savoir comment est-ce qu'il aborde ce personnage qui est finalement très simple, va trouver sa place entre héroïsme et homme normal. Voilà. What's the question for you as Steve Rogers and of course Captain America? Very much in what Tony Stark or Thor, you don't basically flaunt it. I mean, you are more humble, more simple, more grounded. And now that you've accepted your powers and you're working on them, how did your character evolve? And also, how do you find a balance, in a way, between his heroism and his humanity? Well, he's a selfless man, which always makes it a challenge to find an arc in the character, given the fact that he refuses to bleed on people. And his acclimation is just about trying to understand the way society works today. I think it's very different than the 1940s, and I think that kind of new vision of the way things operate shines a light on what we've all become accustomed to. I don't know if I answered the question. Was that close? Well, it's your answer anyway. It's part of your answer. Alors voilà, depuis la ronde, c'est vrai que lorsqu'on en a un caractère finalement qui est comme ça, sans vanité aucune, c'est très difficile de lui trouver un arc parce que finalement c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais. Et donc, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il découvre que la société a extrêmement changé, évidemment, depuis les années 40. Et cette nouvelle vision de la société, eh bien, évidemment, apporte une lumière crue et différente sur ce que, finalement, nous acceptons tous de plus en plus. That was part of the question. The other part of the question, I believe, was how do you balance heroism and humanity in your character? Well, I think they feel one and the same, really. I mean, I don't think he considers himself a hero. I think that's the first step. I think there's no ego. There's no this wasn't a choice. You know, this was kind of given to him, and he's made a life of giving himself back to people. So heroism, I don't necessarily think comes into the perception when he wakes up in the morning and chooses to put on the suit and be a hero. I don't think he sees himself that way. So I think that kind of strikes a balance in terms of, you know, humanity and humility, really. Alors, en fait, c'est vrai que Captain America, lui, il ne se considère pas du tout comme un héros. Ce n'est pas, il n'y a pas de ego ici, ce n'est pas un choix conscient qu'il a fait, même s'il a décidé, finalement, de donner sa vie pour ce choix éventuellement. Mais surtout, le terme d'héroïsme lui-même n'est pas un mot qui entre dans son vocabulaire lorsqu'il se lève le matin, qu'il met son costume. Donc je crois que dès le départ, il y a un équilibre très sain entre finalement son humanisme finalement et son humilité profonde. Bonjour. C'est une question, pardon. Vous pouvez vous lever, voilà, c'est mieux. Une question pour Chris, Anthony et Joe. En fait, c'est tout bête, mais ça va un petit peu dans la première réponse de Chris par rapport au combat. Est-ce que c'est facile de jouer avec un bouclier toujours accroché au bras? Et pour les réalisateurs, visuellement, est-ce que c'était justement difficile d'utiliser cette arme? Well, of course, I mean, was it difficult, I mean, from the acting viewpoint, obviously, but also from the director's viewpoint, to sort of play around with this shield, because you mentioned new combat techniques, and the shield is only part of it. You did a good job with the shield this time. Yeah, I mean, our approach to the character was, in the 40s, he was off the streets, and he was given this superpower, and this sort of John Sullivan style to the fighting, because, he wasn't trained at that point. Now that he's been in the modern world for a little while, he has trained and trained significantly. We approach it as if he were the best special operative in the world and knows the most advanced fighting techniques of any soldier in the world. And of course, the shield
you know, is a representative, or it's an extension of his character. So we wanted to find more unique ways to express him as a character through the shield. And we just thought about it from a very practical standpoint. It has two handles. You could hold one handle, use it in a more Eastern style of fighting. It's a defensive weapon. It's defensive. It's also offensive. So it, you know, it has a lot of versatility to it. Alors c'est vrai que dès le départ, lorsque nous avons abordé ce personnage, eh bien, dans le premier, il combattait en quelque sorte à la Johnny Sullivan, c'est-à-dire vraiment c'était quelqu'un qui n'était pas entraîné, qui n'était pas exercé. Aujourd'hui, dans les temps modernes, eh bien, on voit, en tout cas on a voulu montrer qu'il avait énormément pratiqué et exercé ses pouvoirs et que sa technique de combat est extrêmement moderne. Donc le bouclier pour nous est une extension naturelle de son personnage, de sa personnalité. Donc c'était très important de montrer à travers le bouclier les différentes facettes de son personnage. Par exemple, on lui a donné deux poignées, ce qui lui permet de combattre un peu plus de la façon, vous voyez, asiatique. C'est-à-dire que c'est à la fois une arme de défense et à la fois une arme d'attaque. Donc nous avons voulu que ce bouclier soit finalement aussi versatile et aussi complexe que notre personnage. What about you? Was it like easy, more difficult to handle the shield he was asking? I mean, well, it certainly became easier given the fact this is the third time back with the shield, so it's only more and more comfortable in terms of, you know, feeling like it's an extension of your arm. But they did a really good job of using it again as a weapon, as opposed to just a defensive tool. In the comic books, you never get to see how it actually moves. You know, I think there's been very, I don't want to reference a video game, but I'm going to. In the video game, the shield is used so effectively, and I remember the first time I played it after the first film came out, I just thought we need to start using the shield in a more dynamic manner, because it really is an interesting weapon, and it doesn't have to be used solely for defensive purposes. And this is what the Russos put into their plan, and I think they really incorporated it beautifully. In not just the fight sequences, but in their special effects approach as well. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est un peu plus facile parce que c'est la troisième fois, donc je me sens très à l'aise avec ce bouclier qui est comme une extension de mon bras. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il est utilisé vraiment comme une arme et pas simplement comme effectivement quelque chose qui sert à se défendre. Et je dois dire que dans les comics, par exemple, on ne voit jamais vraiment la façon dont il bouge. Mais je dois dire que la première fois que j'ai découvert le jeu vidéo, après avoir tourné d'ailleurs le premier film, je me suis dit, mais c'est génial dans le jeu vidéo, parce que le bouclier est utilisé de façon extrêmement dynamique, et je me suis dit, tiens, c'est comme ça que j'aimerais un jour l'utiliser. Et c'est là où les frères Rousseau sont très forts, c'est qu'ils ont exactement fait cela. Donc à la fois dans l'action, mais également dans les effets spéciaux, eh bien, ça a permis vraiment d'amener une présence plus importante au bouclier.